Elle avait débuté comme un conte de fées, mais l'histoire de Clément Grenier avec son club formateur Lyon est en train de virer au cauchemar. Cette saison, le joueur de 26 ans n'a participé qu'à 6 bouts de match, toutes compétitions confondues avec l'OL. Des miettes pour l'international tricolore qui, depuis sa blessure aux adducteurs en 2014, n'a plus réussi à revenir de manière constante au sein du 11 lyonnais. Titulaire indiscutable entre 2012 et 2014 sous les ordres de Rémy Garde, Grenier a enchaîné pépins physiques et du même coup vu son temps de jeu se réduire. Cette saison entre la concurrence et une blessure au tibia, le joueur de 26 ans n'a pas été titularisé une seule fois par Bruno Genesio. Une situation devenue intenable pour le milieu sous contrat jusqu'en 2018 avec l'OL, qui aimerait profiter du mercato hivernal pour changer d'horizon. Et selon le journal espagnol Super Deporte, Valence pourrait lui offrir cette porte de sortie. Le directeur sportif du club, José Ramón Alexanco, aurait en effet pris des renseignements sur le Lyonnais pour pallier au possible départ du joueur valencien Daniel Parejo. Malgré la situation très critique du club espagnol actuellement, Grenier, en cas d'offre concrète, ne devrait pas laisser passer l'occasion de retrouver du temps de jeu loin du Rhône.